Bonjour et bienvenue, il faut vite boire. On est de retour pour la survie du week-end. La dernière fois, on a pêché. On a l'impression d'avoir perdu son temps. C'est magnifique. C'est comme une mauvaise relation. Tu te demandes, ah tiens, ça va s'améliorer avec le temps. Tu mets 1 heure, 2 heures et tout ça. Eh ben non, la pêche, c'est comme ça ne s'améliore pas. Voilà, donc on a fait ça la dernière fois. On est aussi venu ici. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, il fait presque nuit. Ah, ça, c'est un problème. Il fait presque nuit. On a de l'eau. On va prendre de l'eau en plus. Hop, hop, hop. Voilà. On a récupéré, je crois, deux poissons. Non, quatre poissons en tout. On en a déjà bouffé deux. On en a utilisé deux aussi. Je crois qu'on en a eu cinq en tout. Mais bon, on n'a rien eu de très très intéressant. Donc ce qu'on va faire... Bon, il y a les appâts qui nous servent un peu à rien, ça c'est un peu embêtant. Les bacules, on va les garder sur nous. On est à 39, on est un peu lourd. Non, c'est pas très grave. On va prendre de la nourriture dehors. Et ce qu'on va faire... Ah, je peux aussi dormir un peu plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le bord. Ça va, il fait encore beau. On va regarder le bord de l'océan. Je commence à plus trop avoir de... Ouais, faudra faire attention. Et on va en prendre un deuxième. Pourquoi je... What? Mais... Ah, les appâts! Oh, les appâts, les appâts. Ok, maintenant c'est bon. Oui, je me demandais pourquoi on sentait la nourriture alors qu'on n'a que deux morceaux de viande. Normalement, c'est trois. Mais c'est les appâts. Les appâts, ils comptent comme un. Bon, ça va, il fait pas trop froid. Donc, ce qu'on va faire... Est-ce qu'il y a du monde? Là, non. Ok, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Donc comme j'ai dit, on va aller sur la glace. Vu qu'il fait pas froid, on va peut-être faire un peu le long, voir si on a quelque chose d'intéressant. Si on a quelque chose d'intéressant à prendre. Ce qu'on pourrait faire aussi, mais j'ai honnêtement pas envie, ça serait d'aller donc à la zone de désolation ou je sais pas trop quoi là. Ah, on a un ours. Et aussi d'aller essayer de pêcher là-bas. Mais je vais être franc. Bof. Je vais être franc, ouais, c'est un peu bof. Donc on va pas le faire. On va passer par là-bas. On va faire le tour comme ça, puis après on remonte. Et si jamais on doit dormir, tout ça, on ira sur une des deux îles et on va à la maison. On va à la maison que les îles contiennent. Donc ouais, on va faire ça va être cool. Mais j'espère vraiment trouver quelque chose sur le bord de l'océan. Vraiment, vraiment. Je cours un peu hein, parce qu'on a des calories sur nous et surtout c'est que on n'est pas fatigué et on va devoir dormir maintenant. Alors déjà là on a une caisse, on a un cerf. Je vois pas de bateau, ça c'est sûr. On va mettre ça. Ouais, je vois rien d'autre. Ah, c'est vraiment une caisse en plus. Ah, c'est sympa, c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Ça, c'est bien, ça. Pas mal. Ok. Ah, ça c'est cool. C'est sympathique, c'est vraiment... Je suis quasiment certain que c'est la première fois que j'en vois une. Moi j'ai déjà vu des casiers. Casiers en métal, là.
C'est à peu près tout. Faut regarder s'il n'y a pas des bois, peut-être du bois, ou alors du poisson aussi. Mais je crois qu'il faut que je m'avance un peu pour que ça apparaisse en fait. Pas l'air d'avoir grand chose. Bon, la boîte, on la voit de super loin. Bon, c'est la dernière fois, vous savez, j'en avais parlé du fait que des fois on voit pas bien les choses. Je pense que peut-être les containers et tout ça, on les voit. C'est quoi ça? C'est un lapin? Ouais, c'est un lapin. Ah, là, il y a un truc par terre. Oh là là, il faut... Oh, mais ouais, mais faut avoir l'œil, quoi. Non, attends. Ah, faut vraiment avoir l'œil. Hein. Allez, prends. Ah, c'est pour ça, il faut vraiment s'avancer. Ouh, ça, c'est bien, ça. Bien. Hop. Mange. 4 kilos le poisson. Waouh. Un Ashigan à petite bouche. D'eau douce en plus. D'eau douce, c'est bizarre. On va voir ça. Vous voyez, là, on a eu un bout de bois. Enfin, le poisson, à la limite. Bon, bah, c'est du poisson. Ah, je vois encore des objets, là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Le poisson, c'est le poisson. C'est un peu logique. Mais par contre, avoir un bois pour faire des flèches, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Bon, j'ai peut-être pas besoin de mettre les crampons, en fait. C'est noir, j'en ai deux, du coup. J'en ai deux. C'est bizarre, on a deux fois exactement le même avec exactement le même nombre de calories, exactement au même endroit. Qui a debug? Qui a debug? Faut arrêter, hein, faut arrêter. Le jeu est pas, hein, pas comme ça. Là, on y est allé. Alors, on va aller voir la... Ben ça, voilà, j'ai déjà eu ça. Oh non, t'es sérieux? Comment tu veux que je le fasse? Oh là là, je vais tomber dans l'eau. Mais... mais ça va être chaud. Ah, c'était vraiment une idée de merde. Bon, ça va, c'est bien passé. Il faut avoir les crampons. Alors là, il y a encore des objets. Ça va, c'est marrant. Par contre, si on est très lourd, on tombe encore plus vite. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, j'avoue que ça fait beaucoup, là. J'avoue que ça fait beaucoup de poissons. Mais ouais, il faut être au bord. Faut vraiment être au bord pour voir les poissons. La main, ça va. Ouais, c'est chaud. Comme ça, bien. Donc j'ai eu quoi? Saumon argenté, 1321. On a eu encore un saumon argenté. 1321, trois fois, ok, d'accord. Et on a une petite bouche. C'est un peu étrange, hein, d'avoir exactement trois fois le même qui ont exactement le même nombre de calories. J'imagine qu'il y a... L'aléatoire, en fait, n'est pas très très bien codé, j'imagine. Et en plus, surtout qu'on en a eu deux exactement au même endroit. Enfin, voilà. C'est pas très grave, mais bon, voilà. Quoi.
des petites choses comme ça. Il y a une chose aussi, la dernière fois, enfin non, c'était avant encore, c'était de récupérer des barbes. J'en ai récupéré des barbes, mais il en faudrait peut-être un peu plus. Alors, ça je veux. Il y a plein de trucs. Là voilà, des barbes. Médicaments. Cadavre. C'est un nouveau cadavre ça? Ou c'est un cadavre qui vient de l'eau? Ah, c'est peut-être un cadavre qui vient de l'océan en fait. Voilà. Ça c'est un saumon argenté. Okay. J'ai une touche. Je vais être honnête, ça vaut le coup. Rien que pour moi, en intrus, ça vaut vachement le coup. À la limite, c'est mieux de... c'est mieux de faire le bord de l'eau pour récupérer du poisson que d'aller pêcher, quoi. Vous voyez pourquoi il y a un problème avec la pêche? Pourquoi il faut la changer, il faut l'améliorer? C'est là, je sais pas, quoi. Ça va faire quoi, 5 minutes qu'on est au bord de l'eau? On a récupéré 5 poissons, je crois. 4 ou 5 poissons. Et puis en plus des gros. Hein. Bon, faut faire gaffe. Oh. Vous voyez, ça vient juste d'apparaître là. Vous voyez, on est quand même proche. Hein. Donc, c'est un peu le problème avec la visibilité. Ouais, il faut faire gaffe parce qu'on sent un peu la barbaque. J'aurais dû peut-être laisser le poisson. Ah, je sais pas. Oh putain, encore. Ok. Faut y aller. Hein, parce qu'il faut y aller. Ah, attends, vas-y, enlève-toi que je vois le point. Ok. On n'a rien eu, c'est pas grave. Alors, si on tombe dans l'eau, là on meurt pas. Il y a un loup. On meurt pas, donc c'est pas très grave. Il y a des endroits où si on tombe dans l'eau, on meurt. C'est quoi ce qui est devant moi? C'est quoi ça? Ah, c'est une palette. Attends, il y a encore des objets là. Ah, une palette quoi. Bah, dans un sens, c'est pas mal aussi, hein. C'est quoi ça? Pas mal, hein, pour les... Ah, c'est un cadavre. Pour les bouts... Pour le bois. Par contre, si on veut dormir, faudra revenir là-bas. Je devrais pas prendre le bois... Si on veut faire du feu. Alors, faut voir un peu. On y retourne. Ah, c'est sympa. Ah, là, j'avoue, c'est sympa. On m'a toujours dit qu'il y avait quand même des bons trucs et tout ça, qu'on pouvait avoir des bons trucs. Mais c'est vrai que j'ai jamais, comme j'ai dit la dernière fois, jamais pris vraiment le temps de bien le faire. Et là, ben, je regrette pas. Bon, par contre, là, j'ai du mal à voir. Ah, putain, les objets qui apparaissent. Ah, c'est vraiment embêtant. Là. La distance d'affichage est vraiment embêtante, par contre. Poisson volant.
Oh mon dieu, c'est lourd. Il y en a encore là. Là. C'est un bâton. Qu'est-ce qu'on a encore? On va voir là-bas. Ça, on l'avait fouillé. Ouais. Ça, c'est bien qu'on ait trouvé aussi des chips. Ça, c'est cool, ça. Mais pour dormir, ouais. Ah, on peut aller là-bas. Tiens. Mais on va être tellement lourd. Oh là là, ça va être un carnage. On va être méga méga lourd. Ah, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une tête de massette, ça, non? Tissu, poids, on casse. Alors, on n'est pas en surpoids, donc ça va. Encore du bois. Ça fait un peu peur hein, de tomber, je vais être franc. My fingers feel numb. Ouais. On va aller se mettre à l'abri. Je crois que je suis jamais allé aussi loin en fait de ce côté-là. On peut aller là ou pas? On dirait un peu une grotte, mais... Normalement, il n'y a pas de grotte, hein, mais on dirait un renfoncement. Quoi. Oh, okay, okay. Je pense qu'on est à la limite. Bon, bah du coup, je pense qu'on va aller dormir et après on va récupérer tout ce qu'on a dans les petites huttes là pour la pêche. Après la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce poisson? On le ramène ou pas? J'en sais strictement rien, je peux être franc. Je sais pas du tout quoi en faire. Bon par contre on va se bouger un peu le cul parce qu'on va avoir froid sinon. Tiens, vu que les gens parlaient aussi du travois, c'est vrai que y a aussi un truc qui risque de m'embêter pour moi, et je pense que tous ceux qui ont cuisine niveau 5 en fait, c'est la nourriture que vous transportez sur vous, qui est à 0%. Parce que en théorie, du coup, ça va être c'est un sac quoi que vous transportez. Il n'y a rien d'intéressant. Et du coup, il va falloir ranger les choses à l'intérieur. Et vous savez que quand c'est à 0%, le jeu en fait détruit automatiquement quand vous mettez quelque chose à 0% dans un container. Donc ça c'est un peu embêtant. C'est légèrement embêtant. Ça c'est légèrement embêtant. Donc, on va pas pouvoir mettre de la nourriture. Après... Aussi, quelqu'un m'a dit qu'on pourrait aussi peut-être les utiliser en tant que rangement. C'est vrai, parce que la dernière fois, j'avais parlé du fait qu'on peut en crafter, en fait. Apparemment, on pourra les crafter autant qu'on veut. Donc, en théorie, on pourra les utiliser en tant que rangement. Genre, si c'est pas trop gros, genre leur taille, je veux dire, leur taille physique. Hein. Pas la contenance, mais leur taille physique. On peut les mettre dans des bâtiments. Vous voyez ce que je veux dire? On les crave dans les bâtiments, on les met dans les bâtiments.
Et on les range en fait. Et on en aurait plusieurs. Genre un il sera plein de champignons, l'autre de baies, tout ça. Au lieu de laisser les choses par terre, vous voyez ce que je veux dire? Okay. Ça, ça peut être bien. Ça peut être une façon de ranger les choses. Et ça, personnellement, moi j'aime bien. J'aime bien l'idée. Pareil pour... genre si on doit partir en exploration et tout ça, on peut toujours mettre un travois en fait de côté, genre contre un mur, je sais pas comment ils vont se ranger. Et puis on met les choses dedans en fait pour partir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup sur le... Dans le sac on met pas grand chose. Pas enfin, non, ça sert à rien dans un sens, mais c'est genre pour moi, pour me préparer par exemple. Je pourrais mettre tout ce que j'ai besoin en fait dans un travois. Et après, je sais que dans ce travois, j'aurai tout dans ce que j'ai besoin et je peux prendre la contenance ou alors je prends le travois en lui-même et je me casse. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, pour préparer, ça peut être pas mal. Ok. Ça peut être vraiment très intéressant en fait pour préparer des aventures et des explorations et tout ça. Ça peut être sympa. Donc, c'est vrai que j'aime bien le côté, le fait qu'on puisse les crafter, en crafter plusieurs, ça c'est intéressant. Bon, bah du coup, le résultat, donc on a récupéré ça, très bien, c'est très bien, parce que c'est une ressource en fait qui est normalement limitée dans le monde, hein, même si vous en avez plein, mais c'est limité dans le monde. Donc ça c'est bien, on a récupéré aussi un tissu, je crois. On a récupéré beaucoup de poissons, genre 6 ou 7, je crois, en tout. On a récupéré des chips, ça aussi c'est limité, donc ça c'est cool. On a récupéré ça, pareil. Donc, vraiment sympa. Médicaments, pareil. C'est cool. Bah, et plein, et du bois, bien sûr. Bah, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pensais pas trouver autant de choses, en fait. Alors maintenant, on va essayer de rentrer. Mais ça va être lourd. Fais voir. On essaye de patienter encore un peu. Pourquoi on est aussi lourd? C'est le... Ah ouais, tout le bois que j'ai aussi. Ah, j'ai pris le faitout et tout aussi. Putain, c'est vrai que j'ai pas pensé à le poser. Ouais, on est parti un peu lourd en fait. On est parti un peu lourd. C'est un peu ma faute. C'est un tout petit peu ma faute. Je peux le déchirer, le gilet. Mais non, le gilet, je vais le garder au cas où. C'est jamais. Après, avant de partir, j'avais mis tout ça à 100%, je crois. Non, peut-être pas celui-là, mais ça, j'avais mis à 100% avant de partir. Bon, bah du coup... Je voudrais qu'il fasse jour, en fait. Enfin, même non, ça sert à rien. Je vais voir un peu le temps. Ah bah oui, on voit pas grand chose. Ah, j'aime pas quand le temps il est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, ça devrait vite s'arranger. Parce qu'il va faire jour. C'était cette cabane avec le poisson et tout ça, je crois. Qu'on a laissé. Parce
ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ce qu'il y a là, puis après on va foncer à l'autre, à la première île qu'on trouve, et on va dormir là-bas. Ah ouais, mais... Ah ouais, non mais ça va être chaud de tout ramener. Je vais pas y arriver en fait. Je vais être franc là, je sais pas quoi faire. Après, ce que je peux faire, c'est bah, perdre un peu de vie, mais on prend une... Bon, voilà, ça se calme le temps. On prend une tisane pour reprendre un peu de vie. Il y a un loup pile devant moi. Je sais pas. On dirait qu'il a flairé donc ce que j'ai posé par terre, puis après en fait il m'a flairé moi. Et on commence. Pas manger automatiquement, c'est chiant. I wonder if I can drop any of this gear. Je voudrais juste arriver à la maison et après j'essaye de faire un tri. Genre par exemple le bois, je peux le jeter. Enfin techniquement, je vais être franc, le bois je peux le jeter maintenant. Mais je voudrais bien le mettre à un endroit précis sur la map, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça si jamais on revient là où je vais, où je dois trouver des choses, je sais où c'est quoi. Je suis pas très très fan de balancer les choses au pif quoi. Presque. On va prendre une tisane et on va dormir. Ah mince, j'ai déjà bu. Parce que je voulais prendre en fait la tisane et et l'autre là pour se remettre de la vie. Mais ouais, je vais avoir un problème avec ça. Voilà, là on peut mettre le bois par exemple. Voilà, déjà ça fait un peu moins en poids. On voit vraiment rien de rien, c'est ouf. Ah oui, oui, peut-être les 25 bâtons aussi. Mon dieu, je pensais pas que j'en avais autant, je pensais que j'en avais une dizaine. Ah, oh, je me suis perdu, attendez. Bon, j'avoue, j'avoue que je pensais pas en avoir pris autant du bâton. C'est déjà un peu mieux quand on se déplace là. Alors. Donc, 3-3, 4-4, 3-8. Ça, c'est cool. Après, j'étais en train de me demander, où est-ce qu'on devrait être pour... pour la mise à jour. Est-ce qu'on devrait être à notre camp principal ou on peut se mettre ici? Je sais pas trop. Ça.
Ça y fait jour. J'avais dit que je voulais dormir, mais... En fin de compte... Peut-être pas. En fin de compte, on va peut-être dormir. Bon, bah on est bloqué. On est bloqué ici. On est bloqué, bloqué. Dire que tous ces endroits, il va falloir les refaire encore une fois parce qu'ils vont rajouter les bouteilles là. Oh yo yo, ça va être un peu embêtant. Je crois. Ouais, ça va être embêtant. De devoir tout refaire encore une fois. Peut-être que personnellement j'essaierai de mon côté, quand la partie 4 sortira, j'essaierai de moi de faire le tour en fait des zones qu'on connaît vite fait, pour essayer de trouver des choses, et après on fera l'épisode de la découverte de la nouvelle zone. Ou alors on va directement à la nouvelle zone, et on trouvera les nouveautés sûrement là-bas. Je sais pas trop. Je sais vraiment pas trop. Bon, on va faire un peu de couture. C'est toujours bien la couture. Ça je peux pas. Ça c'est bon. Ouais, enfin non, en fait je peux pas non plus. J'ai pas grand chose là à faire, ça c'est embêtant. C'est pour ça que j'aime pas trop en ce moment partir. Parce qu'à chaque fois, quand on est bloqué par une tempête et tout ça, du coup ça veut dire qu'on va potentiellement rester là pendant un long moment et ça m'embête. Qu'est-ce que j'ai à casser ou à crafter? J'ai rien du tout à faire, j'ai strictement rien. Je pourrais faire du feu, mais en intérieur là je peux pas faire de si. Non, il n'y a pas de cheminée ici. En extérieur ça va être trop dangereux parce que si le vent il tourne, bah du coup j'ai plus de feu. Ouais, là c'est un peu embêtant. Ce qu'on peut faire c'est boire une tisane, dormir 2 heures. Aïe aïe aïe. Ah, parce qu'il n'y a pas d'endroit caché en fait là pour faire du feu. Si je le fais, non, il n'y a pas. Il faudrait un des endroits. Ce serait bien qu'on puisse crafter des choses pour protéger le feu. Je sais pas comment, en quoi. Mais ça serait une bonne idée de pouvoir faire ça. Après, on a. Ah, si, en pierre. Au lieu de faire des rangements qui servent strictement à rien, là.
Pourquoi pas faire pareil, mais une sorte de protection pour le feu. Ou genre creuser dans la neige et on l'entoure de pierres. Et hop, ça fait une protection pour le feu. Ça, c'est super simple à faire. Hein. Bon, après, creuser à la main, c'est chaud. Hein, mais on a des outils, donc pourquoi pas y aller avec les outils. C'est un peu du gaspillage de tissu, je suis au courant, mais ça fait monter les niveaux, c'est déjà bien, et puis c'est pas trop long non plus, et c'est un peu les seules choses que j'ai à faire. Après c'est du fil et du métal, c'est pas énorme. Ah tiens, en parlant de métal, faudrait que j'en récupère du métal. Ah, je crois que le temps s'est calmé. On va dormir une heure. Alors qu'est-ce qu'on fait? On récupère le reste des poissons ou on rentre directement? Parce que je sais qu'on en a laissé beaucoup par terre, mais je vais être franc, ça va être méga lourd. Hein. Ça va être extrêmement lourd. C'est là hein, qu'on avait laissé les poissons, je crois. Ben, j'espère. Et maintenant, j'ai un doute. Enfin, j'y retourne pas. Hein. Si les poissons ils sont plus vers là-bas, j'y vais pas. Bon, ça va, il fait bon. Après les blizzards, comme j'ai dit à chaque fois, il fait toujours un peu meilleur. C'est pour ça que blizzard, dormir une heure. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, je crois que c'est là. Oh putain, je crois pas que ça soit là. Je crois qu'ils sont un peu plus. Ah, je sais pas. Voilà. Ah non, si, c'est là. Oh, attends. Okay. Mettre là. Donc ça, on prend... Après, ça, c'est du... C'est que du saumon. On dépose 3. On va voir la vitesse. Ouais, ça passe. Enfin, ça passe vite fait, hein. Bon, là, il n'y a pas de loup parce qu'il y a les cerfs. Bon, si on a des problèmes, on largue tout. Hein. On largue tout et... Et on court. Parce qu'on n'a pas froid. Et normalement... Ouais, on est bon. Ouais, non, on est bon. On n'a pas froid et tout ça. On va avancer. Il faudrait qu'on soit à 55. En dessous de 55, on peut courir. Je sais plus. Je crois que c'est 10 kilos au-dessus. Après, c'est dans le rouge. Genre là. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas grand... Il n'y a pas de problème. Les loups, c'est bon. Il n'y a que un ours qui est sur notre droite, normalement. Il peut être un problème. Après, les calories, je les consomme un peu plus que d'habitude. Mais ça devrait aller. De toute façon, j'ai encore des calories sur moi, si jamais on a des problèmes. Donc ouais, on va aller ranger ça. Les poissons et tout ça. Et voilà.
Après, moi, je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je vais rentrer? Est-ce que... Parce qu'on va encore avoir au moins... Enfin, au moins, je dirais deux bonnes semaines avant la mise à jour. Donc, on va sûrement encore avoir quelques épisodes à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Attends, c'est où le... Ah, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Je sais pas trop. Je vais être franc. Je sais pas trop. Où je rentre moi-même au lac mystère? Quoi faire? J'en sais rien. Où on reste ici et on va... Je sais pas. Au site de désolation et on fait le bord de mer, pareil. Ça pourrait être une petite aventure à faire. Voir ce qu'on peut ramasser. Il y a un loup sur la glace, là, devant moi, au milieu de la... Ou c'est un cadavre. Je crois que ça bouge. C'est un loup, ça. Ça, c'est un loup, ça. Ah, il est là-bas, l'ours. Je me demande s'ils vont se balader en groupe. Ah tiens, il y a un autre loup. En fait, on pue tellement la barbe qu'ils viennent tous de super loin. Je me demande s'ils vont se balader en groupe, en comment dire, en meute, les loups toxiques là. Est-ce qu'ils vont avoir leur propre mécanique aussi, genre comme les loups gris? Je vais être honnête, si c'est encore la même mécanique que les loups gris, ça risque d'être un peu embêtant. Je suis pas trop fan. Enfin, non. J'aime bien la mécanique des loups gris, mais gardez-la que pour les loups gris. J'espère qu'ils vont pas remettre ça exactement pareil sur les loups toxiques, en fait. J'espère que les loups toxiques, ils seront seuls, comme là, par exemple. Et on doit faire du 1v1 en fait. Je trouve que ça c'est plus un peu plus intéressant pour des loups toxiques. Après la question c'est aussi c'est est-ce qu'on prend le gilet pare-balles? J'avais dit qu'on le prendrait s'il y avait vraiment une grosse menace. Est-ce que des loups toxiques est considéré comme une grosse menace? C'est quoi ça? Pire. Je dirais que oui. Je pense que le gilet pare-balles peut nous aider. Surtout si on peut se trimballer avec le travois. Genre on garde le gilet sur nous et on met tout ce qui est nourriture et gros en fait. Les outils et tout ça dans le travois. Après dans un sens quand j'y pense j'ai un petit problème pour le travois. Qu'est-ce qu'on met dans le travois? Genre pour se balader avec. Parce que moi je mets tout ce qui est intéressant dans mon sac en fait. Genre si je me fais attaquer que j'ai besoin de soins, j'ai pas envie d'aller voir dans le travois. Si je dois manger, j'ai pas envie d'aller voir dans le travois toutes les 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir faire des choix et tout. Ça va être intéressant honnêtement. Moi j'aime bien le... Avoir des rangements et tout ça et faire des choix. Je trouve ça sympa à chaque fois. Bon, ben je crois qu'on a tué quasiment tous les loups de la région, c'est bien. Encore une fois. Alors... Voilà, on a tout ça comme... Oh, j'en ai encore un. Faut que je fasse à manger. J'ai encore tout ça à faire, ça c'est de la viande d'ours. Bon ben voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon j'ai plus grand chose à faire. On a fait ce qu'on voulait.
Donc du coup, on a récupéré masse de choses, honnêtement, et des choses un peu uniques. Donc ça me fait plaisir. Enfin, unique, dans le sens où ça se renouvelle pas. Donc ça, c'est bien. Donc je suis assez content, en fait. Peut-être que, ouais, la prochaine fois, on ira aussi de la désolation. Je vais voir. Je vais dormir 1 heure pour que ça sauvegarde et tout ça. Et je pense que la prochaine fois, on fera le site de la désolation. Et on ira faire exactement pareil. C'est le bord de l'eau, en fait, tout simplement. On récupère les choses au bord de l'eau et rien de plus. Je pense qu'on va faire ça. Ça me paraît sympathique, en fait. Et puis, on récupère des choses et tout. C'est cool. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao!